Salut, donc on s'est déjà croisé à plusieurs reprises. Ah, je vois qu'il y a Sébastien qui nous rejoint. Là. Voilà. Là, tu peux te rapprocher un peu. Bon, c'est un grand angle, mais quand même. Donc, je viens vous voir à cause de ça. Parce que je le vois tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sur les manifs. La like machine. Voilà. Il n'y a pas que ça. Hein. Vous faites pas que ça. J'ai deux LE. The like machine. The like machine. Excuse-moi. Bon, tu peux expliquer pour quelqu'un qui l'a jamais vu ce que c'est. Donc le principe en fait c'est de déjà expliquer le fonctionnement, c'est de se prendre en photo. Donc on a une petite caméra ici qui permet de se prendre en photo. On a différents masques donc, là, qu'on adapte en fonction de l'événement. Ici on a un tux par exemple. Le tux, okay. Voilà. On prend la photo et on la partage sur notre mur Facebook. D'accord. Là pour le coup c'est le nôtre parce qu'on est deux LE, mais c'est adaptable à n'importe quel événement. Ok. Ensuite, il y a le buzz qui se fait sur Facebook parce que j'ai mis ma tronche sur un tux et mes copains, ils adorent ça, ils vont faire plein de commentaires. Ah, en même temps, ouais, c'est clair. Là, on le voit pas trop bien avec la caméra, mais bon, on le verra sur votre page Facebook. Voilà. On a la version avec la barbichette aussi. Ok, ouais, ça, pas mal pour moi. Ok, donc ça, automatiquement, c'est partagé sur la page Facebook du propriétaire de l'événement. Enfin, voilà, tout à fait. Donc à partir de là, chaque photo publiée génère entre 3 et 5 et 7 commentaires ou likes, et donc crée de l'audience autour de cet événement-là. Ok. Et je peux savoir pourquoi t'as viré ta collègue qui était en interview avec moi. Non, mais il parle trop. Voilà. Il parle trop. Mais oui. Donc en gros, votre système. C'est un super outil de marketing événementiel. De voilà, buzz, quoi. Pour animer les soirées. Voilà, donc j'ai entendu parler de certaines soirées strasbourgeoises là où ça likait vraiment fort. Ça likait à mort. 250 photos publiées dans une soirée au WebAvard. Ça les a gens fait mal. Faisaient la queue. Avec des moustaches. Voilà. Ça fait mal, ouais, j'en ai entendu parler. Les gens faisaient la queue derrière pour utiliser la like machine. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça permet vraiment de réunir le réseau, un lieu public avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Souvent, ça, c'est un peu deux mondes séparés. C'est un peu ça, complémentaire un des blogueurs d'Alsace, quoi. Exactement. Voilà. Vous êtes là aujourd'hui physiquement et ouais, vous allez relayer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bah, la machine là, elle a un peu ce but là. Si vous voyez ça quelque part, hein, bah, arrêtez-vous devant. Hein, vous venez comme ça, voilà, devant la caméra, et vous faites tac, voilà, et vous partagez comme ça. Voilà, et c'est parti. On va en cours 100%. Aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci. Tous les deux. Merci. Au revoir.